Yo tout le monde, c'est Zindine. Aujourd'hui on se retrouve sur... Ah, oui, alors j'ai un générique et j'ai un mini décor. Parce que Zindine, c'est... C'est nul, d'accord, ok. Du coup on va se retrouver sur Fortnite. Ma toute première vidéo sur Fortnite. Alors, je vais filmer avec mon téléphone, comme d'habitude. Mais là, je joue à Fortnite sur ce PC. C'est dégueulasse. Du coup, ça risque de bugger très fort. Et je vais vous montrer comment jouent les pauvres sur Fortnite. Bon, c'est parti. Du coup, je sais pas si on me voit bien. Mais du coup, je vais jouer. Je vais quand même faire un test, en vrai, parce que... Faut pas déconner. Attends, le cadrage... Voilà. Parfait. J'ai pas un trépied, du coup ben peut-être je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Parce que c'est plutôt mieux comme truc. Bon, le jeu est toujours en accès anticipé. D'accord. Alors. Alors, faut que je précise une chose, c'est que je suis un purée de joueur 100% casu. Hein, joueur. Il y a des gens peut-être dans les commentaires qui vont me dire ouais ton niveau il est écrit, c'est grave. On peut dire que je m'en fous. Hein. Ouais, c'est vraiment comme ça. Ouais. Tous les skins de tout le Battle Pass de cette saison et de la saison dernière. Surtout ce skin, c'est mon préféré parce que je l'ai en version ombre et en version fantôme. Je vais le mettre quand même en version. Bon. On va oublier les modes, on va direct aller en solo. Et je vous retrouve à la fin. Alors, fin du chargement qui a duré 1000 ans et demi, on va pouvoir jouer. Alors oui, il n'y a pas eu de bus. Par contre, j'ai mis plageur. Hein. J'aurais pu avoir le bus spawné où je veux. Mais non, la seule chose que j'ai qui marche comme il faut, c'est un plan. Merbol. Ah ouais, d'ailleurs. Mon caméraman me fait remarquer, oui, il y a plus que 55 personnes alors qu'on est en début de partie. Vive le skin page du match avec King. Alors, on va aller à un spawn préféré. Alors, dans cette mise à jour, Risky n'est plus... Enfin, Risky est toujours Risky, mais
Maintenant, elle s'appelle bien Rimouski. Enfin, c'est plus un lieu notable, c'est une ville en gros. Yes. Il y a quelqu'un. C'est pourquoi je vais prendre l'hélicoptère et je vais me battre. Je vais rien demander à personne. Et je vais aller à un endroit où ça bug plus ou moins. Plus ou moins. Parce que comme vous le voyez, là je ne peux pas rentrer dans les bâtiments. C'est mort. En fait, le problème, je pense, c'est de le problème vient de ma carte graphique qui fait n'importe quoi. Je peux même pas taper les objets, donc ça fait aucun dégât. Là, normalement, il y a un coffre. Je veux bien croire que le coffre a été ouvert, mais là, je me souviens un petit peu de moi. Alors heureusement il y aura bientôt du vrai gaming hein, parce que ne faites pas croire que ça c'est du gaming. Alors il y aura vraiment du vrai gaming sur Warzone ou sur Fortnite, mais pas tout de suite. On va attendre que le déconfinement soit annoncé. Enfin, il est déjà annoncé, mais que en gros je puisse acheter que je puisse acheter un nouveau PC plus puissant que cette bouse. D'ailleurs, je ne peux plus faire les défis, parce que quand j'essaye de les faire, soit je me fais punir parce que tous les joueurs de mon niveau tryhard, soit je bug trop et du coup je ne peux plus faire mes défis correctement. Quelqu'un qui est dans cette position ici
On va trianguler sa position quand il faut le bombarder. Ah ouais, c'est vrai que il faut le séparer. De ne savoir absolument rien faire. Parce que là, je le rappelle, j'ai pas d'arme. D'ailleurs, je pense que je peux même pas en voir la scène. Parce qu'elles sont toutes dans les maisons. Et moi, je n'ai pas accès aux maisons. Dans mon angle mort. Ouais, le colis est là-bas. Et tout simplement, il fait sur une structure qui est complètement buggée pour moi. Pour ma part, je suis obligé de camper avec mon hélico dans les airs. C'est horrible. Combien de minutes, donc c'est... Je peux pas voir les minutes. Ok. Nickel. Ah. Quoi? Ah, il y a des arbres qui ont arrêté de bugger. Donc ici. Alors, je voulais vous montrer juste, vous voyez cette touche, et ben c'est justement la touche qui me permet d'avancer, enfin d'avancer avec l'hélico. Du coup, c'est pour ça que c'est, je suis foutu quoi. Zone nickel, je vais amortir ma descente vers purée, mais bien sûr, que tous les ponts, le pont là, je suis sûr qu'il y avait du stuff là-dessus, et évidemment, ça bug plus juste au moment où je. Oh, il y a du stuff. Il y a du stuff. Oh, c'est magique.
Ah oui, je ne vois pas mes armes, mais bon. Ça, on va dire que... On va rien dire. Juste cette tête, c'est tout. Je sais plus tenir une caméra, bonjour. Mais juste. Nickel. Génial. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo, mes amis. On s'est fait complètement punir par quelqu'un qui avait un barrette et qui certainement ne buguait pas comme moi. J'espère que cette vidéo vous a fait rire du malheur des autres. Hein? Bon, pour la fin Epic Games, si vous passez par là, allez vous faire foutre. Non, en vrai, je suis presque sûr que c'est pas de leur faute, mais voilà quoi. Enfin, je sais pas, faites un effort au moins. Pour terminer, j'aimerais juste vous montrer un truc. Donc, je filmais cet écran avec ça. Donc, c'est une table posée dessus, c'est un tabouret en métal, un plumier et un dictionnaire néerlandais. Et en gros, vous étiez posé juste ici. Du coup, oui, vous pouvez se foutre de ma gueule parce que je n'ai pas de trépied. Bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo. À une prochaine, du coup, peut-être. Ciao. C'est super dur à dire ce truc.